on connaît deux portraits. Celui-là, en couleur, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il n'a pas l'air... Bon, il est un peu fragile, ce portrait. Il est touchant, c'est le seul qu'on ait en peinture. Et celui-là, qui était un tableau, le tableau est perdu, il nous reste la gravure. Elle a l'air plus officielle déjà, enfin, un peu plus en forme. Sur ce portrait, au premier plan, vous avez une partition. Et cette partition, c'est la partition des idées heureuses, c'est une des pièces de Clavecin de François Couperin. Donc c'est la pièce qu'il a choisie pour poser avec lui sur son portrait. Il devait bien l'aimer. Je vais vous la jouer. Prélude. L'art de toucher le clavecin, c'est un volume que Couperin a publié qui s'intitule L'art de toucher le clavecin. C'est sa méthode, comme il dit, c'est une belle belle méthode. C'est une petite méthode dans laquelle il fait pas mal de réflexions sur la manière dont, dont il faut bien jouer le clavecin, comment il l'enseigne, c'était un pédagogue. Donc c'est plusieurs réflexions écrites, il écrit beaucoup beaucoup de choses et il y a quelques pages de musique, il y a 8 préludes, dont les deux que vous avez déjà entendus. Et un troisième que vous allez entendre là. Prélude. Thank you.
temps, vous avez laissé en plus de l'art de Jacques-Lassens, donc cette méthode où il y a 8 préludes et une allemande, vous avez laissé 4 livres qu'il a publiés de son vivant, 4 livres de pièces de clavecin, le premier en compte 70, enfin, compte 70 pièces, le deuxième presque autant, le troisième un tout petit peu moins, et le quatrième encore une bonne cinquantaine, ça fait 200 pièces de clavecin. Vous en avez entendu une petite vingtaine. C'est pas évident de se rendre compte sur quelques pièces, mais il y a une évolution évidemment de son écriture sur les 4 livres. Il publie le premier, il a 45 ans, le dernier, il a 62 ans, et il meurt 3 ans après. La flore. Un compositeur du XXe siècle. C'est une demande de Pierre et Bernard de jouer une pièce qui soit plus proche de nous que François Couperin. C'est une pièce qui a été écrite en 1978. Ligeti est un compositeur qui est décédé. Il y a quand même un petit clin d'œil à la musique baroque française. La pièce s'intitule Passacaille hongroise. La passacaille, c'est une danse qui est répandue à l'époque de Couperin. C'est une danse plutôt de la scène que du ballet, que de la scène plutôt que du bal, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui dansent la passacaille. C'est souvent la danse d'un soliste, c'est une pièce assez développée. La caractéristique de construction de la passacaille, c'est un motif répété sur lequel se développent les variations du compositeur et du danseur. Ligeti garde ce principe de composition et son motif qui sera répété pendant toute la pièce, je vous le joue une fois tout de suite, vous vous en souvenez, vous l'entendrez. Pas combien de fois, 50 fois dans la pièce. Thank you.